nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle journée en présence du roi des rois. Mon frère, si tu es en vie, loue le Seigneur. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont décédés. Au lieu de te plaindre, oui, reconnais la grâce de Dieu, lui qui te restaure, lui qui t'a guéri. Il a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec 1 Samuel chapitre 11, versets 1 à 15. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 11, 1 à 15. Nakash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibea de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue et à Bézek, les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tous les peuples se rendirent à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à des grandes réjouissances. Amen. Alléluia. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Faisons attention aux alliances que nous faisons.
Elles peuvent nous détruire et nous humilier. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu es dans les affaires. Il y a des gens qui t'ont proposé des affaires, que tu sois leur allié. Fais attention, surtout si ce sont des païens ou des gens qui sont dans l'occultisme. Prie le Seigneur avant de conclure les alliances. Les alliances peuvent être fatales, fatales au niveau même du ministère. Que Dieu nous aide. Regardez ce qui se passe ici. La Bible nous parle d'un certain Nakash l'Ammonite, c'est-à-dire c'était lui qui était comme le roi des Ammonites. Les Ammonites étaient un peuple ennemi d'Israël. Il est venu assiéger Jabès en Galade, c'est l'une des territoires d'Israël. Et les habitants de Jabès, ils ont dit à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Ils veulent traiter alliance avec un ennemi. Ils veulent prêter allégeance à un ennemi et dire nous te servirons. Faisons attention, il y a des gens qui concluent des alliances bizarres, qui peuvent t'écouter toute la vie. Mais écoutez la réponse de Nakash, l'Ammonite. Il dit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à vous tous les droits et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Vous voyez, cette histoire nous révèle ce que Satan et ses agents font. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, quand tu veux faire alliance avec les agents du diable, ils vont te détruire. Ils vont exécuter les objectifs ou bien la vision de leur chef. C'est pour te détruire, voyez, et c'est pour t'humilier. Nakash leur dit ouvertement, pour que je traite alliance avec vous, je vais vous crever les droits et je vais vous infliger un opprobre. L'ennemi cherche à nous humilier. Donc, faisons donc attention aux alliances que nous faisons. Deuxième vérité. Nous devons nous lever comme Saül pour libérer notre peuple de l'oppression des méchants et essuyer leurs larmes. Et essuyer ses larmes. Vous voyez, chacun de nous est un Saül potentiel. Je veux parler à une sœur. Écoute-moi bien. Ce n'est pas pour rien que tu connais Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus t'a positionné au poste que tu occupes. Regarde, ta famille est opprimée par la sorcellerie. Ta famille est opprimée par les œuvres des ténèbres. Mais toi, tu connais Jésus. Que fais-tu? Tu dois te lever d'abord dans la prière. Tu es comme Saül. C'est par toi que Dieu va passer pour libérer ton peuple. Chacun de nous est un Saül. Quand on a raconté cette histoire à Saül, la Bible nous dit que quand Saül a entendu, les peuples pleuraient pour dire, nous voulons être esclaves d'un certain Nakash l'Ammonite. Il est écrit ici, au verset 4, les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ce bœuf. Il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Et dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il y a des nouvelles quand tu les entends, toi qui es chrétien. Il y a des nouvelles quand tu entends comment ton pays est exploité et opprimé. Il y a des nouvelles quand tu entends ce que l'ennemi fait au niveau de l'église. L'Esprit de Dieu doit s'emparer de toi. Tu dois avoir ce qu'on appelle une sainte colère. Et cette sainte colère doit te pousser à l'action, à faire quelque chose pour libérer ton peuple. C'est ce que Saül a fait. Quand il a entendu ces menaces de Nakash l'Ammonite, il s'est levé, il a mobilisé les enfants d'Israël pour aller combattre cet homme-là. Et la Bible nous dit au verset 11, le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Troisième vérité, les exploits que nous faisons avec Dieu permettent aux autres de reconnaître que Dieu est avec nous. La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits ou nous ferons des exploits. Je vais dire à quelqu'un,
Lorsque, par exemple, Dieu t'a élevé à un poste, Dieu t'a positionné, et qu'il y a même des gens qui ne te reconnaissent pas, qui te méprisent, sois serein, travaille. Le Seigneur va permettre que tu réalises des exploits, et ce sont ces exploits qui vont faire que les gens reconnaîtront que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui ont méprisé Saül comme roi, mais quand ils ont vu la victoire de Saül sur les Ammonites, ces gens sont venus, ils ont reconnu sa royauté, et tout le peuple a demandé qu'on puisse publiquement maintenant l'investir. Vous voyez, il est dit ici, au verset 12, le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, nous les ferons mourir. Mais la réaction de Saül est celle-ci. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tous les peuples s'est rendu à Gilgal, ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont vu des espoirs. Mon frère, quand tu occupes un poste, tu dois démontrer réellement que Dieu est avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Avec l'Esprit de Dieu, tu dois faire des exploits. Oui, Saül a fait un exploit et c'est pourquoi on a été établi. Le peuple a vu, le peuple a attesté, a réellement confirmé que Dieu était avec lui et ils ont célébré sa royauté et ils se livrèrent à des réjouissances avec des actions de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le célébrer, nous allons le louer à travers ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi.
au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démons, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Alléluia, notre Dieu, tu es bon, notre Dieu, tu es glorieux, notre Dieu, tu es tout puissant, tu es élevé au-dessus de toute la terre, au-dessus de tous les dieux, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses, au nom de Jésus-Christ, mon frère, élève ta voix, élevons tous nos voix, bénissons ce Dieu-là. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Oui, nous prions chaque 5 heures temps universel. Vous êtes heureux, vous qui priez régulièrement avec OSP. Si vous venez de découvrir cette émission, ne la gardez pas pour vous-même. Je vous recommande de partager avec au moins cinq nouvelles personnes. Oui, et s'il y a des familles qui prient avec OSP, nous serions contents, nous serions édifiés d'avoir un retour du bienfait de OSP, où que vous soyez. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux. Je voudrais rappeler pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire que je reçois chaque jeudi à partir de 15h à mon bureau situé derrière la radio Fréquente Vie à Cocody, Cité des Arts. Ceux qui sont à l'extérieur du pays qui aimeraient avoir qui d'un conseil ou bien une prière, ils peuvent nous contacter par WhatsApp. 1 Samuel chapitre 11, versets 1 à 11. C'est le passage du jour. Nous venons de voir que nous devons faire attention aux alliances que nous concluons ou que nous faisons. Elles peuvent nous détruire. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve des mauvaises alliances, y compris les alliances dans les mariages. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le discernement. Chaque fois que nous voulons conclure une alliance, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Et si tu te rends compte que tu as conclu une mauvaise alliance, demande pardon au Seigneur. Tu vas te défaire de cette alliance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que chacun de nous est un Saül potentiel pour libérer son peuple, pour libérer sa famille, pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Tu vas prier. Si tu te rends compte que dans ta famille, les gens sont en train de pleurer à cause des envoûtements, à cause de la sorcellerie, à cause des échecs, à cause des gens qui ne se marient pas, mais toi, tu vas te lever dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi pour libérer mes membres de famille, pour leur prier.
prêcher l'évangile. Utilise-moi pour libérer mon pays où règne la corruption, où règne la domination de l'ennemi. Utilise-moi pour libérer, oui, ma région, ma ville, mon village. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nous venons de voir que les espoirs que nous faisons permettent aux autres de reconnaître que Dieu est avec nous. Chacun de nous va prier. Tu vas prier dans le cadre de ton ministère, que tu puisses faire des espoirs avec Dieu et que ceux qui te méprisaient reconnaissent que Dieu est avec toi. Tu vas prier dans le domaine de tes affaires, que tu puisses faire des espoirs pour que les gens reconnaissent que Dieu est avec toi. Tu vas prier même dans les domaines socio-professionnels, le poste que tu occupes, que tu puisses faire des espoirs, de sorte que même ceux qui te détestaient, ceux qui te combattaient, reconnaissent que Dieu est avec toi. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi maintenant, mon frère. Je déclare qu'en ce jour, la faveur de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, la protection de Dieu est avec toi. Le sang de Jésus te couvre. Tout piège que l'ennemi te tend est anéanti au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les méchants creusent une fosse pour faire tomber les justes, mais l'Éternel le fait tomber dans sa propre fosse. Que ceux qui ont creusé une fosse contre toi tombent eux-mêmes dans leur propre fosse, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour un couple qui est menacé par le divorce, au nom de Jésus. Je menace ce vent de divorce, au nom de Jésus. Je déclare que ton mari, qui est influencé par sa famille, va changer de position, au nom de Jésus. J'annule les décrets de divorce, au nom de Jésus, et je proclame la restauration de votre foyer au nom de Jésus, la restauration des études de vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un. Oui, tu as un dossier de terrain. Oui, il y a quelqu'un qui t'a ravi ton terrain. Il y a le diable qui est derrière ce dossier. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le déblocage de ton terrain au nom de Jésus-Christ, et le Seigneur te donnera les moyens pour que tu puisses bâtir ta maison. Je libère la faveur de Dieu, je libère la grâce de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.